Back to back, on se retrouve dans le home gym. Pour mettre un peu de contexte dans la vidéo, on se retrouve une semaine avant, tout pile hein, d'ailleurs, une semaine avant le Silent Worker Meet. Donc oui, ça peut vous choquer parce que sûrement que la dernière vidéo que vous avez vue, c'était ma compétition à Cavalier-sur-Mer. Donc il faut savoir qu'il y avait environ un peu plus d'un mois, un mois et une semaine en gros, entre Cavalier-sur-Mer, enfin l'Open de la fac, et le Silent Worker Meet. Donc c'est une courte période quand même pour réussir à construire beaucoup de choses, etc., etc., et pour se préparer. Donc ce fut intense, on va dire, la transition, mais c'était très très cool à faire. Certains pourraient se poser la question de quel est l'intérêt de faire des compétitions si proches, parce que bah, le total ne va pas énormément différer, même si j'espère quand même faire mieux, ça on sera permis, on va se mentir. Je vous dirai un peu mes attentes après avoir fait pour avoir fait cette séance. Je n'ai pas précisé, mais on va faire séance SPD. Donc l'intérêt là-dedans, c'est tout simplement le Silent Worker Meet va être ma troisième compétition. Et l'intérêt ici, c'est d'accumuler de l'expérience. Effectivement, les premières compétitions seront sûrement les compétitions là où vous aurez les totaux les plus faibles. Du moins, je l'espère pour vous. Ça veut dire que vous progressez bien. Et c'est le moment là où en fait, faire des compétitions, c'est cool pour prendre l'habitude de savoir tourner avec les gens dans la salle de chauffe, gérer les passages, gérer le stress de la compétition, gérer tout un tas de facteurs pour être plus performant à l'avenir, quoi. Donc plus vous faites de compétitions, plus vous êtes bon à faire des compétitions, donc plus ça peut avoir d'intérêt. Donc voilà la logique, plus le fait que j'adore faire des compétitions, le Silent Worker Meet, c'est, je pense qu'on peut le dire un peu, c'est un peu une compétition qui est reconnue, on va dire ça comme ça, donc rien que pour la hype, pour ce qu'elle dégage, j'aime la faire, tout simplement. Enfin, de base, j'aime les compétitions. Je trouve les deux compétitions que j'ai faites, elles étaient incroyables. J'ai trop aimé l'atmosphère. Et d'autant plus dans le contexte de Silent Worker Meet, qui est un peu une compétition attendue. Peut-être pas autant que les France, ça on est d'accord, mais qui est quand même bien médiatisée. Aujourd'hui, du coup, dernier SBD lourd avant la semaine de Taper. Donc, on va voir ce que je peux sortir. J'ai très hâte, ça fait première séance à nouveau dans le home gym. Là de base je m'entraînais un peu dans une salle commerciale, donc vraiment pas avec du matos calibré, etc. Que ça soit au squat, au bench, au pair, c'était vraiment pas les standards qu'on retrouve en compète. J'espère pouvoir bien performer sur mon matos, on va voir, et je vous emmène avec moi. Voilà. Tellement phrase de vlogueur de dire ça. Allez, pour la peine, transition vlog. Donc oui, c'est passé, ça devait être RPE 9. On va pas se mentir, hein. J'en avais pas une de plus. En vrai, je suis content qu'elle passe. 75 c'est pas mal, c'est à 5 kg de mon PR. Sachant que à ma dernière compète, j'ai passé 177,5. Là je suis content, on va dire, d'avoir passé 175. Ça se voit que je suis pas bien positionné. Hein. Je vais m'appuyer sur ma barre et je suis au bon niveau. C'est bon. Non, en vrai, 175 qui passe avec une technique dégueulasse. Si vous avez bien vu la trajectoire de ma barre, je le répète souvent dans mes vidéos, mais l'idéal, ce que je fais quasiment jamais,
c'est de faire ça. C'est de faire une ligne droite, votre barre elle descend comme ça et elle remonte comme ça. Moi j'ai tendance, et beaucoup de lifters ont tendance à faire une petite diagonale, c'est-à-dire partir vers l'avant et remonter comme ça vers l'arrière. Parce que c'est plus simple vis-à-vis des muscles qui sont antérieurs, donc qui permettent de lever les pieds, de rectifier la trajectoire. Donc bon, bref, je vais passer des détails là-dessus. Mais du coup, ma trajectoire, c'est même pas qu'elle a fait du coup la diagonale, c'est qu'elle a fait ça, elle est remontée droite, elle a fait ça, littéralement, elle n'a pas augmenté, elle a juste shifté et elle est montée. Ça n'avait aucun sens, c'est. Genre mes genoux ont bougé, mes hanches se sont levées en même temps, donc en fait la barre a pas bougé et après elle a monté. Donc bon, c'est quand même passé, voilà, sachant que je crois pas que je vous l'ai dit, mais dernièrement je m'entraînais dans une salle du coup commerciale, ma technique était un peu différente au squat, c'est-à-dire que j'avais du mal à placer la barre aussi basse que d'habitude. Je la mettais quand même genre, je faisais pas un high bar, mais je faisais un mid bar, voilà, c'est juste un peu au-dessus de mon low bar. Ça changeait pas mal la mécanique de mouvement, et donc je me sentais vachement pas à l'aise sur mon squat. Genre, je sentais qu'il y avait un truc cloché, ça m'énervait. Parce qu'il faut savoir que le squat, c'est mon mouvement préféré. Bon, le squat, lui en retour, il est un peu complexe, il est un peu dur avec moi, mais j'aime les personnes qui ont du caractère, on va dire ça comme ça. Je sais pas où j'en venais avec toute cette philosophie sur l'amour et le squat, mais bref, j'aime beaucoup ce mouvement. Et donc ça me frustrait d'autant plus. Donc voilà, on passe à 175 avec du coup la barre à nouveau en low bar. Ça change juste pas à rehabituer. Je pense que c'est pas mal et j'ai tendance à mieux perfer à mes compétitions qu'à mes entraînements. J'ai eu cette tendance à observer ça. Même si vous me direz 180, je vais passer en entraînement et je vais pas repasser en compétition. Mais dans l'ensemble, je trouve que la compétition, en tout cas, ne m'impacte pas négativement. Peut-être pas positivement, mais pas négativement. Donc, je suis content que 75 passe. Voilà. Tout ça pour dire ça. Bref, je vais faire mes back-off. Je ne vais pas beaucoup en faire. Et je vous reprends pour le bench. J'ai le seum ? Ouais, un peu. En fait, peut-être vous demandez pourquoi j'ai voulu refaire 105 alors qu'il était passé avant, et super grindy. Simplement parce que je suis pas content de ma pose. Plus du touch and go qu'autre chose, genre la pose si elle existe, elle est infime quoi. J'aime pas ça, c'est pas au standard. Je suis assez rude sur les standards parce que ça m'énerve en fait. Je sais pas, genre pour moi c'est pas valide. Donc ça m'énerve tout simplement. C'est comme le squat là, je vais pas parler, mais là, la deps, je l'ai trouvé. J'ai trouvé ok, genre je dirais qu'elle est valide et je suis assez dur. Pour le coup, mon coach me dit souvent t'es trop dur envers toi-même. Là, la deps, il n'y a aucun doute, elle y est. Donc, je vais partir du principe que si j'ai un doute et que je penche plus vers le oui, elle y est. Mais là, pour le bench, j'étais pas satisfait donc j'ai voulu refaire avec une pause vraiment convenable. Franchement, la pause n'était même pas spécialement plus convenable et j'ai pas réussi à la repasser. Explication de pourquoi j'ai pas une trajectoire folle sur le bench dans le sens là où. Au début, j'ai tendance à la pousser verticalement et après de la mettre vers l'arrière, alors que en fait, faudrait limite faire l'inverse. En fait, faudrait vers l'arrière et après droit. Mais en tout cas, se mettre dans un meilleur axe que faire tout de suite droit. Donc, je pense que je le fais un peu. Après, bon, c'est pas que technique, hein, c'est juste un point de force parce que techniquement, j'ai l'habitude de lifter un peu comme ça. 105, c'est mon PR, hein, c'est cool de le matcher. Ça faisait longtemps que j'avais pas réussi à repasser 105, donc dans un sens, c'est un peu une victoire. Mais une victoire un peu amère. J'ai fait des back-off après, ils se sont très bien passés, pour le coup, donc j'étais content de ça. Mais bon, je reste frustré quoi. Donc je mange du pain complet. Parce que j'ai super faim. Pas trop, parce que bon, il y a le bench, enfin, non, il y a le deadlift. Mais du coup, bah, plat sous terre. Ouais. Et, ah bon, on reste positif. Là, franchement, certes j'ai le seum. Pour le bench, mais vraiment j'ai toujours la niaque. Genre là, j'ai envie de me pousser de fou. Genre j'ai envie de progresser, que ça soit sur le bench. Là, le terre, il me fait peur entre guillemets parce que avec la OPV, donc c'est ma barre, j'ai toujours l'impression de tirer un mur quand je tire. Et c'est pas vis-à-vis des barres de salle commerciale là où oui, effectivement, ils ont plus de whip,
donc elle plie plus, donc c'est plus simple. Mais même entre une OPB et une barre Eleco, donc qui sont tous deux des barres de compétition, je préfère tellement faire du terre avec la Eleco, je me sens tellement mieux. Elle me défonce moins les mains, j'ai l'impression de réussir à mieux tirer slack. La OPB, vraiment, c'est un mur. Mais là, en fait, il faut juste que je sois positif sur le truc, parce qu'il y a des moments là où je ne le sens pas de tirer un mur. Donc, on va partir de ce principe-là qu'on ne va pas tirer un mur pour avoir un bon mindset. Je m'auto-camoie un peu en vous le disant, parce que bah, ça fait du bien de faire un monologue tout simplement, en vrai, tester. Mais faut juste partir sur un bon mindset et ça va bien passer. Là, je veux passer 210, je veux passer 210 bien. Et ça va le faire. Et je mettrai toute mon énergie à faire 210 bien, mais je le ferai. Voilà. Un peu speech de motivation nulle. Non, c'est pas nul. C'était poignant. Bref. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, vous tombez, vous vous relevez. Là, c'est hyper cliché, mais juste le travail. Que ce que j'aurais voulu. Voilà. Mais bon. Bah. Non, c'est pas prévisible parce que franchement, sur les barres de jauge, je me tentais bien. Hein. 200, pour moi, j'étais en mode. Ouais, bien bougé, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. Non, ouais. C'est passé RP 10, hein. Je ne vais pas se mentir. Mais elle est quand même passée. C'était un beau grind. C'était un peu que des grinds, hein, cette séance. Hein, j'aime bien. La sensation est bien. J'aurais voulu que ça passe pas grindy, tout ça. Mais bon. C'est pas la vie. Sauf le bench, ça pouvait pas me poser de problème, parce que de toute façon, sur le proc, c'était un RPE10. Donc bon, voilà. Mais bon, sur le reste, y a pas marqué RPE10, quoi. Bref. Ça nous fait un total à 490. Sachant qu'en compétition, mon max total, c'est 495. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je vise pour le Silent Worker Meet ? Avec ce que je viens de faire aujourd'hui, etc. Ça n'a pas trop changé ce que je pensais faire. Peut-être pour le bench, ça a un petit peu changé. On verra. On verra. Mais ce que je veux faire, squat, 180 kg. Bench, 105. Le valider en compte, ça serait cool. Voir 107,5. Si vraiment le jour J, je me sens bien et que le taper a bien fait effet. Why not? On verra. Mais voilà, je pense que 105, si je la passe, déjà je serais content, parce que à savoir que je faille toutes mes troisième barres en compétition, certes j'en ai fait que deux, mais les deux, j'ai failli la troisième barre. Donc bon, peut-être rompre le maléfice, je ne sais pas, mais on va tester. 105 du coup, et 105, 107,5, et le terre, 220. Oui, 10 kg de plus que le RP10 que je viens de faire, RP9,5-10. Tout simplement parce que le terre... Pour le coup, lui, il se passe dans l'ensemble quasi toujours mieux que mes entraînements, je crois. Enfin, genre, pour mon premier meet, j'avais fait plus 12,5 sur mon total ever, à l'entraînement pas. Sur ma deuxième comp de cavalaire, j'ai fait 215, qui est la 215, qui était mon PR hein, dans l'entraînement, qui est passé plus facilement. Donc, voilà, sachant que là je reviens sur du calibré, que la compétition sera sûrement une Eleco, que j'ai tendance à être plus à l'aise dessus, qu'il y aura eu un taper, franchement, il y a un monde là où 220 elle passe. Voilà. Donc on verra, mais ça nous ferait en tout cas passer à la barre des 500 kg total, et j'avoue que c'est... j'ai envie de la passer, bordel de merde. Tout simplement, ça fait trop longtemps qu'elle m'échappe, ce palier des 500. Donc voilà grosso modo ce que je veux faire. Bref, il me reste mes back-off, donc je vais aller les faire. Et voilà. Que vous dire de plus à part persévérer, voilà.
Non, plus sérieusement, c'était quand même une bonne séance. Je suis content de ce que j'ai fait, sachant que je reviens sur... vraiment, c'est à relativiser, mais quand vous passez sur du matos de salle et que vous revenez sur du calibré, et au final, on voit qu'en termes d'impact sur ma force, ça allait. Genre, je me suis pas laissé spécialement... tu sais, ça m'a pas détruit mes perfs, donc c'est cool. Donc quoi ? En vrai, c'est une bonne séance. C'est une bonne séance. Je trouve. Certes, elle aurait pu être mieux, mais je trouve. Bref, j'arrête de piloguer. Ciao. N'empêche, on peut dire que mon leg drive a progressé, hein. Parce que ça se barrait tout le temps. Oui, c'est la phrase de mes fesses. Ça se barrait tout le temps. Du coup, il a fallu que je mette des poids pour bien que ça arrête de bouger. Et avant, ça me le faisait pas. Je mettais un peu des poids, mais ça bougeait pas normalement. Là, voilà. Au moins, un référentiel de mon leg drive qui a augmenté.